Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Ça fait un petit temps que j'ai plus fait de vidéos pour plein de raisons. Au départ, je pensais faut faire un vlog d'été. Et puis finalement, mon mari était tout le temps à la maison. Donc voilà, c'était un peu compliqué de filmer ça. Puis il y a eu les vacances, et puis j'ai hésité à revenir, honnêtement, parce que ça prend du temps, c'est du temps pendant lequel je ne tricote pas, et je peux vous dire que je suis à deux doigts du burn-out tricotesque, parce qu'avec toutes ces choses que j'ai envie de tricoter, et que ça n'avance pas assez vite, c'est un peu frustrant. Mais voilà, je pense que je ne suis pas la seule dans le cas. Ma liste ne fait que s'allonger. Donc voilà, je vais me présenter pour les personnes qui débarquent. Donc je m'appelle Séverine alias Nitsev, donc ici sur YouTube et aussi sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook, mais là je garde plus pour la famille. Voilà, je suis belge, mon petit accent, j'habite pas très loin de Namur, si vous connaissez Namur. Et donc je viens vous raconter mes petites péripéties tricotesques. J'ai pas mal publié sur Instagram, d'ailleurs à un moment je pensais ne plus que publier le parc là, et puis je me suis dit ouais mais non, mais quand même c'est chouette aussi de tenir compagnie à celles qui tricotent et leur transmettre burn-out tricotesque en leur montrant tout ce que j'ai tricoté et en leur en donnant envie de tricoter les mêmes choses ou d'en s'en inspirer en tout cas. Donc j'ai tricoté pas mal de choses que je vais vous présenter en plusieurs fois, mais ça va être en fait un épisode, mais que je vais tourner en plusieurs jours. Donc là, on est lundi 11 septembre sur ma pause de midi. Et donc, j'ai coupé mon téléphone, donc normalement, on devrait avoir la paix. Et ça, c'est le chien, c'est pas grave. Et donc, je vais vous montrer deux objets terminés, dont un tout frais d'hier soir. Mais évidemment, il y a un bémol. on va voir si vous voyez le problème. Bon, tout d'abord, je vais vous montrer ceci. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Je crois que je vais faire la petite vidéo, la petite photo pour la vidéo YouTube. Bon, la couleur, c'est un peu difficile, hein. Donc voilà, ce sont les chaussettes Harvest, voilà, du livre 52 Weeks of Socks. Alors non, je ne vais pas toutes les tricoter, mais c'est clair que j'en tricote pas mal en ce moment de ce bouquin. Parce qu'à chaque fois que je vais chez Sipenit à Bruxelles, je leur feuillette. Pourtant, je l'ai à la maison. Et à chaque fois, je trouve... Ah oui, mais celui-là, je ne l'avais pas vu. Il est pas mal aussi, celui-là. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont donc les chaussettes que j'ai terminées hier soir. Alors, ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Est-ce que vous voyez la différence? Ouais, moi, je la vois. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu, mais oui. Ici, elles sont plus écartées, les torsades sont plus écartées que pour la première. Laquelle des deux est la bonne? Je sais pas, mais je m'en fous. Je les porterai comme ça. Donc, en fait, il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre. Comme ça, élastique, ça doit pas trop se voir. Alors, comment elles se font? Tout d'abord par la pointe. Une pointe tout à fait ce qui est plus classique, avec un diagramme à suivre, avec donc des petites torsades, on voit pas très bien, des petites torsades, et puis des mailles glissées et des mailles torses.
Voilà. Alors le talon, il n'est pas compliqué, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour la première chaussette. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais donc on tricote et puis à un moment on a quelques petits, je vais la montrer peut-être comme ça ici. On a quelques petits rangs raccourcis quoi, ce qui est un peu classique vu que ça tourne. Et je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, il y a des augmentations et des rangs raccourcis dedans, mais c'est super bien expliqué. Hein. Bon, c'est en anglais, mais c'est bien expliqué. Donc, en fait, on augmente et on fait des rangs raccourcis. Je crois que ça faisait 4 fois. Donc, c'est pas compliqué. Mais deux fois, c'est arrivé que je perds une maille. Et impossible de reprendre. Donc, je devais défaire deux, trois rangs comme ça. Qu'à un moment, je me suis énervée. J'ai dit, tant pis, je la laisse tranquille. Déjà, j'ai commencé une autre paire de chaussettes que je vais vous montrer juste après. Et puis, je dis, mais je fais une pause là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de cette chaussette. Et puis, quand on est parti en vacances dans la voiture, que j'étais bien au calme, dans le mood, je pars en vacances, voilà, eh bien, j'ai pu refaire, et là, en une fois, le talon, voilà. C'est pas le patron qui m'a expliqué, c'est moi qui, à mon avis, étais fatiguée et que j'avais vraiment besoin de vacances et que, bah, je sais pas, ça ne marchait pas. Et puis, donc, après, on a ce talon renforcé, hein. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé le talon, hein, le fer, ça. Mais je sais pas. Oui, si, au début, les rangs raccourcis, ça marchait pas. Et donc, voilà. Et puis, à la fin, on a des nopes. Alors hier soir, j'ai fait les nopes de la deuxième et oh, sous 30 degrés, j'en pouvais plus. Déjà les nopes, je déteste faire ça. Je sais pas vous, mais je crois que rares sont celles qui ou ceux et celles qui aiment faire les nopes. Ok, le résultat, il est beau. D'ailleurs, j'ai hésité à faire les nopes parce que j'avais déjà tellement galéré pour le talon de la première chaussette. Et puis c'est entre Poitiers et Biscarrosse. Non. Non, pour aller à Biscarrosse, c'était moi qui a conduit. Je sais plus. Pour aller. Ah non, non, de Poitiers à Bordeaux. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plus ou moins 2 heures de route. Et là, bon, ça a l'air d'aller. J'essaye. Et puis, ça avait l'air d'aller. Donc, j'ai fait les nopes. Mais alors, hier, 42. Avec. Non. Non, il faisait pas 40, mais c'était l'impression que j'avais qu'il faisait 40 degrés. Mais non, il faisait, je sais pas, une bonne trentaine de degrés, mais il n'y avait pas d'air. C'était. Oh là là là, on se plaint. Enfin, on se plaint, mais je suis contente, c'est que il n'y a plus que les Belges qui râlent sur la météo. C'est aussi les Français qui commencent aussi, surtout dans le sud de la France, qui commencent à râler. Parce que au début, c'était chouette. Ouais, il fait chaud, il fait chaud. Maintenant, il fait trop chaud. Et puis quand on voit ce qui se passe en Grèce, dis, oh, les pauvres qui se sont ramassés des canicules avec des incendies, et puis maintenant qui se ramassent des inondations. J'ai l'impression que le climat est en train de. Enfin, on le savait depuis très longtemps, mais voilà. Puis là, les Américains diront toujours, enfin, certains Américains diront toujours, ouais, il n'y a pas de dérèglement climatique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, donc, voilà. Mes chaussettes. Alors, la laine, je ne vous l'ai pas dit. C'est un reste de fil que j'avais de mon Zweig. Je l'avais présenté dans un autre épisode parce que je le portais. Là, évidemment, aujourd'hui, c'est un petit top d'été. C'est même pas tricoté. Et donc, c'est de la 75% mérino, 25% nylon, et c'est de la laine de l'Afféfil, sont laine et nylon, et le coloris, c'est le coloris, je sais plus, Coteau du Lion, c'est ça. Et alors, en fait, la petite histoire, c'est que quand je vais chez Sipenit, donc je feuillette un peu les catalogues, enfin les livres, dont même celui que j'ai déjà acheté, mais bon, voilà, on papote. Et alors j'avais repéré donc en fait ce modèle-là.
Et j'ai trouvé déjà la couleur était vraiment chouette. On voit pas très bien. Ouais, là c'est un peu plus rouge que l'original. Enfin bref, c'est un très beau Bordeaux. Et je me dis, oh ouais, j'aimerais bien les faire. Et j'étais à deux doigts d'acheter en fait un écheveau chez Sipenite, de chez Arco Iris Yarn. Et puis, j'avais déjà acheté. Enfin, il y avait déjà d'autres choses dans mon panier, donc je me dis non, 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 reste raisonnable. Et donc finalement, j'avais dans mon panier de reste à chaussettes cette laine-là et ben, vraiment les restes de mon pull Zweg. Et je voulais faire des chaussettes en jacquard, qui était encore un flop total. J'ai encore passé une soirée pour rien parce que ça passe toujours pas, les chaussettes en jacquard. Et donc, bon, bah, je me suis dit, je me casse plus la tête, c'est bon, je ferai autre chose avec cette laine-là. Et donc, c'est ça qu'après, bah, je me suis dit, ah, bah oui, en fait, cette couleur-là, c'est pas trop loin de ce qu'il y a dans le bouquin, quoi. Bon, il y a quand même une différence, mais, enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que j'aurais pu faire ça dans toute autre couleur, c'est clair. Mais j'essaie quand même de respecter plus ou moins, surtout quand il y a des textures. Parce que je me dis si ça. Parce que parfois, quand il y a des dessins, quand la laine est trop foncée, ben on ne le voit pas. Donc on s'est cassé la tête à faire un super beau diagramme. Mais quand la laine est trop foncée, ben en fait, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça ne se voit pas. Mais ici, bon, à l'écran, ça ne se voit pas trop. Mais en vrai, c'est juste que, voilà, elles sont différentes. Mais c'est élastique. Bon, hier, sous 30 degrés, j'ai quand même essayé. Oh, ça se voit pas trop. Bon, voilà. Moi, je suis quand même super contente de mes chaussettes Harvest. Donc, voilà. Alors, je vous ai dit que j'avais aussi commencé une autre paire de chaussettes que j'ai terminée. Et là, c'était pour avoir un tricot zéro cerveau sur la route. Bon, je vais en mettre au moins une sur le bloqueur. Tadam, tadam. Vous l'avez peut-être vu du coup à l'écran, mais voilà. Tidi. Ah, on voit la trace. Voilà. Là, on ne voit pas. Donc voilà. C'est avec la laine Skepios. Et alors, j'avais pas pris ma balance pendant les vacances, mais j'ai bien tiré mon plan parce que j'ai fait ça vraiment. Oh non, tirer mon plan, oui. Non. C'est une expression bien belge. Donc, enfin bref, j'ai joué à Yarn Chicken, on va dire ça. Ça, vous comprenez, enfin j'espère. Et je me suis, parce que je voulais utiliser, le but, c'était d'utiliser un maximum de ma laine. Donc, c'est la Skepios Metropolis, autorayante. Et le contrastant aussi, c'est le contrastant qui va avec, en fait. Mais c'est aussi la marque Skepios. Et donc, alors, c'était la première fois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais donc vous voyez que quand même les rayures sont quand même bien régulières. Bon, peut-être pas aussi bien que d'un bruit des aiguilles hein, ou d'autres teinturières teintes à la main, mais on voit bien quand même que c'est régulier, quoi. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait eu un nœud. J'étais au tout début de la première chaussette, il y avait un nœud. Je dis, ah, première fois que ça m'arrive et que un nœud dans cette laine. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je coupe, voilà, je perds un peu de fil. Mais là, du coup, les rayures n'étaient plus. Allez, je sais pas, il y a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6, voilà. Il y a 6 rangs par couleur. Et bien là, du coup, il y avait une couleur qui avait peut-être que 3. Je dis, oh non, c'est pas beau. J'avais déjà fait 4-5 rangs, quoi. Ouais, non, pas une dizaine de rangs, quoi. Je dis, oh non. Bon, j'ai dû défaire. Pas tout parce que la pointe, parce que oui, elle commence par la pointe. La pointe, ça, je l'ai laissée, mais bon, voilà, tant pis. Et donc, j'ai dû commencer par une autre couleur. Mais alors, j'ai essayé de calculer pour pas que ce soit cette couleur-ci qui tombe ici. Oh, pas, finalement, c'était pas une si zéro cerveau que ça. Mais je sais pas, j'ai calculé mon coût et il me reste presque plus rien en fait de la plotte. Parce qu'en fait, en général, quand ce sont des laines comme ça, des chaussettes comme ça à la vanille, j'ai pas des. Voilà. Où je peux vraiment déterminer, quand il n'y a pas de dessin et que je peux déterminer moi-même la hauteur de la tige, j'essaye que ça correspond à la même chose qu'ici, en fait.
Mais aussi, comme j'avais envie de vraiment bien utiliser. Mais elles sont pas. Si elles sont. Non, elles sont pas lavées. C'est peut-être pour ça qu'on voit encore la trace. Mais c'est la première fois que je vois autant la trace. Mais elles sont peut-être un peu plus petites que celles que je fais d'habitude. Je les ai fait un peu plus serrantes. Parce qu'en fait, je tricote avec les Crazy Trizos. Crazy Trees. Trio Socks de Addy. Mais c'est la première fois que je vois autant la démarcation. Alors il y a un petit trou ici, mais. C'est un petit trou d'aération. Donc voilà, mais écoutez, ça fait déjà 15 minutes que je papote. On se retrouve pas demain mardi, parce que vous le savez que le mardi, enfin celles qui connaissent, je suis à Bruxelles. Donc on se retrouve peut-être mercredi. Je reviens quand même 2 secondes avec vous parce que je ne vous ai pas donné plus de détails. En fait, c'est un modèle que je me suis inspirée du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Voilà. Et donc, je l'ai commencé par la pointe classique. Le nombre de mailles indiqué dans le patron. Ici, ben voilà, c'est chaussettes à la vanille. J'ai fait un talon après coup. Donc, j'ai mis un fil contrastant. Et puis après, enfin, sur une moitié de la chaussette, et puis j'ai continué, j'ai fait les côtes, et puis après bah, j'ai repris ici le truc tout simple. Je pense que je regarde même plus le modèle, mais voilà la petite chose que je voulais vous rajouter en plus. Hello, on se retrouve mercredi 13 septembre. Voilà, j'ai peut-être pas la bonne tête, mais je sors de 2 heures de ménage et j'avais besoin de faire une petite pause. Voilà, je vais les attacher parce qu'il fait encore lourd dans la maison. En tout cas, j'ai tout ouvert, mais il fait vraiment ce temps orageux là. Et quand on bouge un petit peu, ben voilà. Alors, j'ai changé de décor. Alors, vous voyez la souris ici, celle qui a encore inventé un truc à son mari. Voilà, donc je vous explique. Ici, c'est une pièce. Quand on a fait bâtir, on voulait une chambre d'amis. Mais c'est donc une pièce, mais qui est ouverte. Ici, d'ailleurs, j'ai la cage d'escalier, en fait. Donc, c'est ouvert. Voilà, et derrière, il y a un meuble IKEA. Et je suis assise sur un canapé lit. Et en fait, on voulait cette pièce d'amis pour que quand ma belle-famille qui habite Poitiers vient chez nous loger, bah, ils aient leur petite pièce à eux. Et quand bah, ils sont pas là, c'est la pièce où je mets sécher mon linge, où je range une partie de mes affaires de tricot, voilà. Et ici, la dernière fois que mes beaux-parents sont venus, parce qu'en fait, il n'y a qu'eux qui viennent, on espérait que des cousins voilà, allaient venir un peu plus souvent. Ou son frère ou sa sœur, mais bon, ben, c'est pas le cas. Et la dernière fois que mes beaux-parents sont venus, ils nous ont dit, ben voilà, mon beau-père a beaucoup de problèmes de santé. Et en fait, le canapé lit, c'est pas un caprice, mais il n'est plus assez confortable pour lui, il est trop bas. Et donc voilà, ils nous ont dit gentiment que il logerait plus chez nous, bah, c'est pas grave, on n'est pas vexé, on comprend tout à fait, et donc ils iront dans une chambre d'autre un peu plus confortable. Mais bon, ici j'avais même refait toute la déco pour eux, et donc voilà, ce n'est qu'à la pelli, bah, il a déjà une bonne. Ça fait 10 ans qu'on est ici, ouais, il a bien 15 ans en fait, depuis au tout début qu'on est en ménage, je pense, enfin, qu'on vit ensemble. Et bah, il est encore bien, mais bon voilà, le problème c'est que là où il est situé ici, déjà pour le déménagement, on a eu beaucoup de mal pour l'installer. D'ailleurs, on l'a installé avant la rambarde ici. Et donc, je ne sais pas comment on va faire pour l'enlever de là. Je ne sais pas si on va pouvoir le revendre ou le donner à quelqu'un. À mon avis, on va devoir le démonter et peut-être devoir le jeter. Ça me fait mal parce qu'il est encore bien, mais il ne sert plus. C'est ça le problème. Et j'ai envie de, ici, là où est ce canapé-lit, j'ai envie d'installer mon bureau. Il y a un bureau en bas sur lequel je fais mon télétravail, mais voilà, ici, ce serait mon coin avec toutes mes affaires de tricot, mon stash, voilà, mon petit mannequin, voilà, ça serait mon petit coin à moi. Et je laisserai le bureau en bas pour mon mari, parce qu'il l'utilise beaucoup moins souvent. Mais
Voilà, parce qu'il m'a dit, bah, qu'est-ce qu'on ferait du bureau en bas? Je lui ai dit, bah, ce sera pour toi. Parce qu'il râle qu'il n'a pas de coin à lui. Donc si moi je fais mon coin à moi, bah, lui il aura son coin à lui. Donc voilà, changement de décor. Et ici je pourrais tourner des podcasts, enfin des vidéos, parce que je n'ai pas de lumière ni dans mon dos ni devant, parce que c'est le problème d'en bas de mon salon. Quand je suis assise à mon bureau, ben, j'ai remarqué que je suis un contre-jour. Et quand je suis dans mon canapé, même que je ferme les stores, je suis quand même un contre-jour. Bref. Voilà pour la petite histoire. Et quand mon petit coin sera bien aménagé, ben, je ferai des petites vidéos et peut-être que je vous montrerai tout ça. Tout ça pour vous dire que je vais vous montrer aujourd'hui mes derniers achats. Alors, j'ai longtemps hésité à le faire parce que je sais qu'il y a des gens qui seront un peu frustrés de voir les podcasteuses ou les podcasteurs exposer, exhiber leurs achats. Et c'est vrai qu'il y en a bah, à chaque épisode. Oh, j'ai acheté ci, j'ai acheté là, nanana, nanana. Et voilà, donc si vous n'aimez pas ce genre de séquence, bah, passez un peu plus loin. Hein, vous voyez, quand j'ai une autre tête, je suis habillée différemment. et donc voilà, vous êtes prêts? Alors, la dernière, je vais commencer parce que... En fait, j'en profite parce que je vais ranger ici la laine que j'ai achetée, mais que je ne vais pas tricoter tout de suite. Chaque laine a déjà un projet attribué. J'ai pas mon PC ici, donc je vais essayer de vous trouver les noms, mais si je le trouve pas, soit je l'intriquerai ici en bas et je mettrai une petite photo pour que vous voyez, parce que j'ai pas mon PC sous la main, et en plus ici j'espère que ça va aller parce que quand je vais installer mon bureau, parce qu'ici le wifi il passe très mal, donc je sais qu'on a essayé de faire passer des câbles. Bref, ça c'est un détail que je dois voir avec mon mari. Bon, vous êtes prêts? Donc j'ai reçu lundi une dernière commande. Alors, surprise, tadam. Ouais, il est un peu plus rose à l'écran. En vrai, il est un peu... ouais, voilà, il est un peu plus foncé, un peu plus... qui tire sur le mauve, quoi. Oui, bon, c'est un peu difficile. Sur Facebook... sur Instagram, je l'ai publié. Et c'est tout doux. Et donc, c'est de Arco Iris Yarn. Alors, c'est le coloris Phileas et c'est la base d'Alais. Vous le voyez peut-être à l'envers. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté ceci? Parce qu'en fait, un jour, chez Sip & Knit, j'ai acheté ceci. Donc, c'est aussi Arco Iris. Et c'est la base Dobby. Voilà, donc c'est sa base à chaussettes avec du nylon dedans. 85% mérino, 15% nylon, et c'est le Phileas aussi. Et donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est normal, c'est le même coloris, mais pas sur la même base. Et je vais faire le pull chaton d'atelier Emily. Je vais vous mettre une petite photo ici, voilà, que l'une d'entre vous d'ailleurs m'a gentiment offert, merci beaucoup. Et donc ben voilà, ça je suis déjà prête à le tricoter. En plus j'ai une collègue qui elle tricote aussi, mais le pull, elle a un pull qu'elle a acheté dans le commerce, et quand je la vois à chaque fois avec ce pull dans ces coloris là, je dis oh, moi c'est le même genre de coloris, je dis, oh, vivement que je le fasse, mais bon. Je dors la nuit, donc... donc voilà. Mais bon, ça, je vais le garder dans mon petit panier. Donc j'ai mon petit panier ici à côté. Ça, je vais le garder. Et je vais vous expliquer, il y a d'autres laines que je vais stocker ici. Parce qu'en fait, elles ne sont pas complètes. Et donc, il me manque une partie pour pouvoir tricoter le projet. Donc voilà, ici, je vais un peu moins souvent qu'en bas. Enfin bref, je vais les stocker ici. Parce qu'en fait, mon panier commence à déborder. Alors, chez Sip & Knit, qu'est-ce que j'avais acheté aussi? C'est ceci. De langue, alpaca sock. Voilà. Easy wash. Alors, qu'est-ce que c'est la composition? 70% alpaca, 30% nylon. Voilà, pour faire des chaussettes. Voilà. Alors, apparemment, il paraît que c'est quand même pas top top pour les chaussettes. Pourtant, il y a 30% de nylon. Mais moi, je n'utilise pas
Comme je mets pas mes chaussettes dans mes chaussures, bah, j'use beaucoup moins mes chaussettes tricotées. Donc, mais je commence à avoir une belle collection. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est un du bouquin 52 Weeks of Socks. Et ce sera... Oh, j'aurais dû prendre la tablette, mais ici, le... Bon, je vous mettrai ici en bas. Ah, ça y est, je l'ai. Le D-Break. Voilà. Ceci. Elles sont jolies, hein. En fait, c'est presque la même couleur. Alors, normalement, ici, ils disent qu'il faut des chaussettes en déca. Et ça, c'est de la fingering. Mais de la grosse fingering. Donc, bah, je vais trafiquer le patron. À mon avis, je vais faire des augmentations jusqu'à avoir un nombre de mailles que j'utilise généralement en fingering. Et voilà, en fait, je ne vais pas vous montrer le diagramme, mais c'est un diagramme qui monte, et donc je vais bidouiller le patron pour qu'elle soit à ma taille. Si pas, il y a un autre modèle dedans qui ressemble très fort dans le bouquin. Et là, elles sont en fingering. Et donc, peut-être que je ferai un mix des deux. Je vais bidouiller ça. Ah, voilà, ici. C'est celle-ci. Vous voyez, ça ressemble fort, sauf qu'ici, ça ne va pas sur le côté. Et celle-ci, c'est le modèle Draws. Ah, c'est de la brioche. C'est de la brioche. De brioche on the legs. Ah, ouais. Oh, c'est de la brioche. Bref, ce sera un des deux modèles que je ferai donc, dans ce bouquin-là. Alors... ça, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais donc ça, j'avais acheté ça à la dernière... journée porte ouverte chez Nathalie de By Night. Alors, j'avais posé la question, tiens, Nathalie, comme elle n'habite pas loin de chez moi, je dis, ah, qu'est-ce que tu refais une porte ouverte chez toi, parce que c'est pas loin de chez moi, et que bon, ok, c'est vrai, on les voit sur les salons, donc on voit Nathalie, on voit La Féfile, on voit Trilise, mais c'est en plus petit comité, on a un peu plus de temps. Mais bon, malheureusement, du temps, ben voilà, ça lui prend beaucoup de temps d'organiser ses portes ouvertes, et donc ça sera pas pour tout de suite, mais elle y réfléchit. Donc, si vous voulez faire qu'elle refasse une petite porte ouverte, envoyez-lui un message. Non, on va pas trop lui mettre la pression, la pauvre. Donc, voilà. Donc, ça, c'était de La Féfile. C'est sa base Merino Nylon. Hein. Oui, c'est ça. 25% de nylon, 75% de fingering. Et c'est le coloris Bécassine. Et je ferai... Oh zut, j'ai oublié, mais c'est... Bon, je vous le mettrai, la petite photo. C'est aussi un modèle que je ferai, mais du 52 Weeks of Socks, mais le volume 1. Voilà, mais je vous mettrai ici au montage la photo et le nom ici, parce que je ne le connais pas par cœur. Donc ça, c'est bon, ça retournera dans le panier. Ensuite, la dernière fois, samedi, j'ai acheté ceci chez Cipanit. Encore une laine à chaussettes, c'est de la Mondime, et le coloris c'est quoi, 207, voilà. Alors j'ai demandé, parce que ici je vois que c'est quand même, il y a quand même du nylon, donc c'est la non superwash, hein. Lavable à la main, il paraît que c'est vraiment à la main qu'il faut faire. Bah oui, elle n'est pas traitée pour aller à la machine. Donc, parce que parfois, moi, je fais sortir dans... Je lave à la main, mais j'ai sort en machine. Apparemment, avec celle-ci, il vaut mieux éviter. Et alors, j'ai demandé à la vendeuse, donc à Gaëlle, et à d'autres copines qui étaient là. Dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette laine à chaussettes? Parce que, bon, vu la photo, et je crois qu'il y a du nylon, donc je n'arrive pas à trouver la composition. Ah non, non, c'est 100% laine portugaise. Mais voilà, quand on voit le logo, et alors elles m'ont dit, bah, c'est qui tout double. Il y en a, ça, elles adorent, elles n'utilisent plus que ça, elles ne tricotent plus que ça pour les chaussettes, et d'autres qui n'aiment pas du tout. Moi, comme je ne porte pas mes chaussettes dans mes chaussures, en fait, dans mes crocs, quand je fais du télétravail,
Je les utilise, je les use beaucoup moins en fait que les autres. Donc voilà. Et le modèle que je vais faire avec. Talilala, talilala, talilala. Qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est aussi un modèle de chaussettes ici. En fait, c'est marrant. C'est quand je vais chez Cipini, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je feuillette le catalogue que j'ai à la maison. Hein, parce que je sais pas, je cherche un truc. Et à chaque fois. Oh, je sais plus, je le retrouve plus. Je sais qu'elle est dans les dernières, mais. Bon, bah écoutez, je vais pas perdre plus de temps. Allez, voilà. C'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Parce que je peux vous montrer la première page. Généralement, il n'y a pas les explications. Voilà. Ce sont les Exi Diamond de Nancy Wither. Donc voilà. Tili. Donc c'est un peu dans le même style hein, de chaussettes. Voilà. Donc encore une paire de chaussettes. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ben oui, mais là, il m'en manque une. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Ah si, elle est là. Alors, ça par contre, je vais pas le tricoter tout de suite. Parce que la dernière fois que je suis allée chez Cipanit, j'ai vu plus ou moins avec quoi j'allais l'associer. Donc c'est de la lace, hein, les lamées de Lang Yarn et le coloris, ça doit être un numéro, ça, ce machin. Coloris, oui, oui, c'est 10-81-00-48. J'avais pas, mon budget était déjà explosé, et puis j'avais des doutes. Et donc, en fait, je vais reprendre cette base-ci, mais dans un autre coloris. En fait, j'hésitais entre soit un coloris qui ressemblait très fort à celui-là, ou bien un marron foncé. Je crois que je vais prendre le marron foncé parce que quand je l'ai montré à mes copines, elles m'ont dit « Ah ouais, mais ça va trop bien ensemble !» Pourtant, le marron foncé, c'est pas trop voilà, ma couleur, mais associé à ceci. En fait, c'est pour faire le modèle un modèle d'André Amory. Je mettrai le nom ici et la petite photo. Voilà, parce que je sais plus et j'ai pas mon PC avec, et ou alors c'est dans mon téléphone, mais ça voilà, ça n'ira pas et parce que je filme avec mon téléphone. Mais donc ça ici, je vais le garder ici à côté, et la prochaine fois que j'irai chez Cipanit, je prendrai la base qui va avec. Donc voilà. Donc mais ça, je vais le garder ici en haut. Qu'est-ce que j'ai encore acheté d'autre? Ah oui, ça c'était... au fil de la manche. J'en ai acheté trois. Oui, j'ai acheté ceci au fil de la manche. Alors, au fil de la manche, j'ai acheté ceci. C'est le fil de Sidonie que je... Non. Oui, c'est ça, le fil de Sidonie que je connaissais pas. Une dame très gentille. En fait, elles étaient toutes très gentilles. Mais on n'avait pas le porte-chefeuille de recharger. Donc, le coloris, c'est bois de rose. Et c'est du merino tencel. Voilà. Et j'ai oublié de vous mettre le modèle. C'est en fait un livre qui est issu du magazine Pose de Lena Mouré. Je vous mettrai le nom et la petite photo du truc que je ferai avec. Du petit top que je ferai avec. Voilà, donc ça, c'est déjà complet. Alors, j'avais acheté ça aussi chez Cipanit, mais c'est pour faire aussi des chaussettes, mais pour l'associer avec un autre. Là aussi, je vous mettrai le nom et la petite photo, parce que là, c'est pour faire un modèle du livre de la reine de la chaussette en jacquard, là. Pas Sharon Stone, là. Charlotte Stone. Voilà, c'est ça. Mais je vous mettrai aussi une petite photo parce que je sais plus. Alors, ce que j'ai acheté encore chez... Au fil de la manche, c'est ceci. Et ce coup-ci, j'en ai pris 5. Parce qu'il y a le cinquième. Ah, il y a le cinquième. Voilà. En fait, Lena Mouré. Quand j'avais été la première fois au fil de la manche, c'était, je crois, le dernier avant
Covid. J'avais vu Cécile, de que font mes mains. Ah, c'était trop marrant quand on est arrivé sur Insta. Ah, Cécile! Je crois que ça a été pour elle pour toute la journée, comme ça. Enfin, peut-être un peu moins maintenant, hein, mais parce que bon, ça a tout un peu calmé. Mais alors, au début, c'est comique, quoi, quand c'est des gens comme ça, des monstres, des podcasts, qu'on découvre enfin en vrai, on est là. Ouais! Comme si c'était. Comme si c'était Sharon Stone, quoi. Bref. Donc, j'avais acheté une base, c'était la base. Oh, je sais plus. Oh, je vous mettrai aussi ici en dessous. Et j'avais fait un gilet en vitamine D. Et je vous mettrai aussi une petite photo. Et je le porte tout le temps, en fait. Tout le temps. Et comme je savais qu'elle était là-bas, je dis. Je vais aller voir sur place si elle en a encore. Mais je l'avais demandé, mais elle m'avait dit non, je la mets plus. Je l'aurai pas sur le stand. Ok, ça va. Donc je discute avec elle. Je dis, ah oh, ouais, dommage que tu n'as pas, parce que moi, mon gilet, je le porte tout le temps. Il commence d'ailleurs même à s'abîmer tellement. Enfin, s'abîmer, c'est un grand mot, hein, mais il tient super bien. Et c'est ça que il est encore super bien fluide et tout. Il peluche pas trop. Et je l'adore. Et donc je lui dis, bah voilà, c'est dommage. Elle dit, bah j'ai une autre base qui ressemble un peu. Et donc ici, c'est la Aphrodite. Voilà. Le coloris, c'est manger des framboises, les framboises de la voisine. Et avec ça, je vais me refaire un modèle de Rory Locatelli, le. Ah, je l'ai ici. Le Quiet Star, voilà, c'est ça. Le Quiet Star de Rory Locatelli. Je l'avais déjà fait une fois avec une base Twinkle de Nathalie de By Night, aussi avec son coloris Cochenny. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec 4 échevaux, j'ai pas eu assez. Et donc, j'ai pas su faire les belles manches, pas de def, avec toute la belle dentelle dessus, et j'ai pas su faire la ceinture non plus. Parce que c'est un modèle qui mange beaucoup de laine. Voilà. Et donc, bah, j'étais un peu déçue. La flemme de recommander un écheveau, sachant que, voilà, déjà chez Nathalie, dans le même bain, bah, y a parfois des variations, parce que voilà, c'est une teinture naturelle. Donc, je dis, bah, tant pis, je le referai plus tard. Et Cécile de Coffon Mes Mains aussi, je l'avais fait dans la même taille qu'elle. Et elle aussi, avec 4 échevaux, elle l'a su arriver pile poil, mais je sais même pas si elle a su faire la ceinture. Enfin bref. Donc ici, je vais le refaire aussi. Donc, je sais pas quand, mais c'est ça mon soupe. En fait, j'hésite. Le prochain que je vais monter sur les aiguilles, j'hésite entre ça. Soit le plus chaton, soit le gilet ici, White Star. Mais bon, ce sera l'objet d'un prochain épisode. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté Ceci, je vous parlais de personnes très gentilles. très gentilles sur le fil, au fil de la manche. Et donc, cette base, enfin, cette marque plutôt, voilà, j'en avais entendu beaucoup parler. Natissea. Et juste avant de partir, mon budget était déjà explosé depuis bien longtemps. Mais elle avait été tellement gentille en discutant avec d'autres. Mais oui, elle est tellement gentille. On ne pouvait pas ne pas partir sans quelque chose. Donc, ça, je sais que je vais faire un top, ça sera pour l'année prochaine, pour l'été prochain. Mais je ne suis pas encore sûre, donc je ne vous le dis pas parce que ça peut encore changer. Ah oui, et alors, c'est du 100% fibre longue de chanvre. C'est du chanvre. Et le coloris, je ne sais plus le coloris. Sauge. Voilà, coloris sauge. Voilà. Alors, chez La Féfil aussi, au fil de la manche, quand je suis passée, c'était le premier stand où j'ai acheté. Parce qu'au départ, je m'étais dit, avec mes copines, on s'est dit, allez, le premier tour, on n'achète pas. Oui, mais quand je suis passée chez La Féfil, elle avait exactement ce que je voulais et il restait plus que 4 chevaux. Donc, j'en ai pris 4. Vous voyez ce coloris. Parce que là aussi, j'avais acheté un pull du commerce avec les box, vous saviez, l'Okiero. Là, j'ai fait ça pendant quelques mois et j'avais acheté un pull dans ce coloris-là. Je me dis, oh, mais c'est magnifique, mais je vais m'en faire un.
Et donc là aussi, ça sera un modèle de l'atelier Émilie. Mais il faut que j'associe avec un mohair. Donc voilà. Donc ça sera. Je vais le stocker ici parce qu'il me manque encore le mohair. Donc c'est pas grave. Je vais faire ça. Donc voilà, je sais pas quoi Ah oui, je vous ai pas dit en fait. Bah, c'est sa base. C'est 100% fingering, donc je pourrais pas la remettre dans les chaussettes. Et c'est le coloris Laureline. Si je me trompe pas. Oh, c'était beau. Bon, ben voilà, on arrive au bout, hein. Ah non, en fait, c'était combien d'échos j'en avais pris? Ah non, c'était 5. 5 que j'en avais pris. C'est un peu le bazar là-dedans. Alors, ici, je retrouve le fin fond de mon panier avec le reste Phileas. Ah oui, ça aussi, j'avais acheté. Oh, mais ça aussi, il faut que je le stocke ici parce que j'ai pas assez. J'hésitais de ce que j'allais faire et maintenant je sais ce que je vais faire avec. C'est ceci. Ouais, évidemment, la Ito. Sentai. Et ouais, là on voit bien. Et je vais me faire une Cumulus Blues avec. Mais comme je savais pas trop quoi faire avec, pour l'instant j'en ai acheté que 4. Parce que j'allais l'associer, mais je sais pas quoi. Enfin, j'hésite. Soit j'en reprends encore 4, je pense, pour le tricoter en double avec une mousse blouse. Oh, mes cheveux, c'est une cata. Ou bien je trouve un mérino. Parce qu'il y a un Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a fait la Cumulus Blues, mais elle a associé avec un fingering. Et donc j'hésite, soit de fil de. Bah, il faudrait que je fasse un échantillon en fait. Voilà. Pour pouvoir voir et pouvoir prendre une décision définitive. Mais il faudra que, à mon avis, j'en rachète. Enfin, je sais pas encore. Donc, mais ça, si c'est pas le même bas, c'est pas grave. C'est pas. Oh là, mes cheveux. Mon Dieu. Donc voilà, ça, je vais ranger ici. Bon, bah, le reste, c'est des brolles. Voilà, bah, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 25 minutes. Donc le podcast, ça va déjà bientôt être fini. Je reviendrai peut-être demain vous montrer deux projets terminés. Voilà. On se retrouve jeudi 14 pour la suite de cet épisode. Alors, la petite tache rouge, ne vous inquiétez pas, c'est juste que là, je suis à ma pause de midi et que il était temps que la pause arrive parce que là, je commence à un petit peu. Un peu de stress du boulot. C'est pour ça que je suis un peu rouge. Et puis, c'est toujours un peu stressant de filmer comme ça, de se filmer toute seule devant son téléphone. Donc voilà, le fameux gilet que je n'arrivais plus à retrouver la base, c'est donc le Vitamine D et j'ai pas été chercher la base de Lena Moreira, c'est la base Atlas. Voilà, c'était bien celle que je pensais, mais je n'osais pas le dire. Donc vous voyez que, bon, à part voilà, le raser un petit peu, mais il est top et comme vous pouvez le constater, je le porte tout le temps. Voilà. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de deux projets terminés pendant mes vacances. Et voilà, celui-ci, c'est le top Tamias. Mais alors, on voit qu'il est bien transparent quand même, hein. Je vais vous le passer après. Mais donc voilà. Donc, on commence par un montage provisoire, puis on fait la bretelle. Et puis les augmentations avec ce dessin. Voilà, ce dessin. Donc on fait, je crois, deux fois jusqu'ici. Donc je vous montre bien le devant, oui, c'est ça. Donc jusque-là, on met en attente, on fait l'autre devant. Et puis on vient faire. Moi j'ai choisi donc le dos droit. Voilà, et puis après, jusque-là, ça a été. Et puis dans le dos, je me suis un peu plantée. Voilà, je vais peut-être vous remonter un petit peu, moi je vais reculer. Et puis après, c'est quand il a fallu rejoindre en rond que là, bah, ça ne marchait pas. Alors, j'ai même contacté la personne qui avait testé ce patron dans la même taille que moi. Cette personne n'a pas eu de difficultés particulières. Mais d'autres personnes m'ont contacté en me disant que ça ne marchait pas. J'ai contacté aussi Miss Manio Naturel
qui en fait aussi a remarqué qu'il y avait, il doit y avoir des erreurs dans le patron, c'est pas possible. En fait, ce qui se passe, c'est que Folie Ordinaire, bon, ses patrons sont en général très inclusifs, donc il y a un bon nombre comment on va dire, de tailles. Et donc pour pouvoir s'y retrouver, elle scinde en deux catégories les tailles. Donc des tailles, tailles de guêpe, hein. Voilà, et des grandes tailles. Et apparemment, dans les grandes tailles, bah, y a des erreurs, parce que voilà. Alors moi, ce que j'ai dit à la personne qui m'a contactée en me disant, faut écrire, enfin, je vais envoyer un mail à Mylène de Folie Ordinaire en lui mettant bah, les erreurs un peu que j'ai constatées, parce que j'arrive pas au même nombre de mailles qu'elle, alors que j'ai beau, voilà, j'ai beau réfléchir, je comprends pas. Mais en fait, à un moment, il faut arrêter de chercher midi à 14h. Et en fait, il faut suivre le dessin, en fait, comme il se présente. Voilà, parce que ici, quand on a fait déjà le devant et le dos, on a déjà l'habitude, je dirais, du patron. Mais c'est vrai que pour les personnes qui débutent, qui aiment, ou les personnes qui aiment bien suivre tout à la lettre, ça peut être compliqué parce que justement, on veut tellement tout bien suivre que s'il y a des erreurs, voilà. En fait, l'erreur, c'est que c'est dans le dessin, en fait. Elle dit ce qu'elle dit, donc les mailles en droit et les mailles en vert. Ne correspond pas en fait à ce qu'on a sur les aiguilles. Mais si on fait abstraction de ça, mais qu'on suit au fur et à mesure, ça va quoi. Donc voilà. Et alors, ben, je vais vous le passer comme ça, ben, vous allez voir ce que ça donne. Le voici donc porté. Donc ben, ça va, il est bien. Sauf que voilà, il n'est pas du tout compatible avec le boulot, comme dirait. Lissandre. Alors, je crois que vous êtes un petit peu trop bas. Je vais vous remonter un petit peu. Fermez les yeux. Voilà. Donc voilà le top. Tamis, on voit fort à travers. Hein. Quand même. Et alors, vous voyez, en fait, quand je l'ai terminé, ben, il pendait pas autant. Ben, ici, c'est. On voyait un petit peu le soutien-gorge, mais pas trop, donc je dirais c'était pas trop grave. Mais au fur et à mesure que je le porte, bah, je l'ai porté quoi, peut-être 2 jours pendant mes vacances, on voit tout le soutien-gorge. Donc il va falloir que je rectifie ça. Je sais pas encore comment. Soit, mais il n'est pas trop décolleté, donc j'ai pas trop envie de. Maintenant que je le porte comme ça, j'ai. Enfin, oui, en plus, regardez derrière, ça fait une. Enfin, j'ai pas encore fait les photos officielles parce que je publie généralement sur Instagram. Je les ai pas encore faites parce que pour moi il n'est pas encore parfait. Mais bon, normalement ici le temps va changer. Mais c'est vrai qu'on va quand même fort à travers. Hein. Ça, mon collègue il serait content. Hein. Oui, une fois ma réflexion. Oui, mais t'es tricot, on voit pas assez à travers. Oui, genre de collègue quoi. Que je travaille quoi. Donc oui, si je porte un autre top en dessous, ça ira, mais c'est pas le but. Quand il fait fort chaud, sinon il est agréable à porter. Hein, mais on voit fort quand même à travers. Vous voyez fort mon soutien-gorge. Donc ça au boulot, laissez tomber. Hein. Mon collègue, il va être bien content de le voir. Hein. Mais alors peut-être ici fermé un petit peu, je sais pas. Je crois que c'est en fait c'est la laine qui s'est détendue. Enfin c'est pas de la laine, hein, c'est du fil plutôt. Et ça bouge encore. Je reçois encore des notifications sur mon téléphone. Mais j'ai vraiment besoin d'une pause. Donc, je l'ai tricoté avec la laine lino de Langyarn. Voilà. Mais il faudra que je change tout ça. Je coupe. Je mets l'autre projet. Tadam! Voilà. Celui-là, si vous l'avez certainement vu sur Instagram, c'est le top Baïa. Aussi de Folie Ordinaire. Ouais, c'est ça. Donc, le voilà porté. Tadam. Il y a juste que, voilà,
Ben ça, c'est le soutien-gorge qui va avec le top, Tamiès. Parce que heureusement, j'ai un soutien-gorge qui est dans les mêmes couleurs. Mais sinon, généralement, pour celui-ci, j'essaye de porter un soutien-gorge blanc. Mais oui, c'est juste ça que ça. Mais sinon, il est agréable à porter. Il est fluide. Ça, il tombe bien. Donc, ça, je suis assez contente. Il y a juste ça qu'on voit un petit peu le. La bretelle de soutien-gorge, mais voilà. Donc je comprends Lysandre quand elle dit il faut être quand je comprends son critère que ce soit un tricot compatible avec le boulot, parce que voilà, on a même si c'est décent, hein, on a toujours des personnes, ça peut être dans la famille, voilà, autour de nous, qui nous font des réflexions parfois. Mais donc voilà, moi je suis assez contente. Alors, j'ai pas eu de difficulté. Il y a juste une petite erreur par le patron. Et là aussi, j'avais envoyé un mail à Mylène de Folie Ordinaire. Peut-être qu'elle l'a vu aussi, mais qu'elle a peut-être pas d'appelé patron. Mais donc on commence par le dos. Et puis on met des mails en attente. Et puis on vient les reprendre par après en faisant des raccourcis, hein, autant derrière que devant. Et en fait, quand on reprend les mailles, à un moment, elle nous dit de faire un rang de mailles en droit. Mais ça ne marche pas. C'est un rang de mailles envers. Voilà, ce sont peut-être des petits détails pour les personnes qui ont déjà pas mal tricoté ce genre de top ou de pull. Mais c'est vrai que c'est dommage de payer, je sais pas combien il est, le top Baya, il est à. Quand on est dans la période de test, c'est tout à fait normal qu'il y ait des erreurs et c'est pour ça qu'on les teste. Mais voilà, c'est 6,36 € qu'on paye quand même pour finalement un t-shirt qui est fort. Ouais, c'est beaucoup de jersey, il n'y a pas vraiment de dessin. Et puis après, j'ai un peu râlé parce que. Râler parce que y avait Atelier Emily qui a fait le After the Beach en version colvée. Je dis bah mince alors. Et je venais d'acheter celui-ci. Bref. Et donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Surtout dans le top Tamiya. Là, c'était le plus gênant. Parce que là, je l'ai payé combien là, le top Tamiya? Et c'est vrai, il a été testé, mais peut-être que la testeuse, elle, je dis pas que c'est une mauvaise testeuse, hein, pas du tout, mais peut-être qu'il y a des choses que elle, c'est peut-être une tricoteuse expérimentée qui, elle, là, ça lui a pas posé de problème. Enfin, je sais pas, je sais pas, je comprends pas, mais il y a quand même plusieurs personnes dans les grandes tailles qui se sont manifestées, qui ont dit que non, qu'il y avait des erreurs. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que malgré que le patron il a été testé et qu'il reste encore des erreurs. Et Mylène apparemment a bien été consciente qu'il y a des erreurs, mais elle n'adapte pas le patron. Alors ça, je comprends pas trop. Ouais, je râle un peu, je suis désolée. Mais bon, voilà. Moi, ça va, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense aux personnes qui débutent dans le tricot, ou alors qui ont vraiment. Il y a des personnes comme ça qui. Allez, c'est comme pour la cuisine aussi, hein. Mon mari, comme il cuisine, c'est son mari, c'est son métier. Quand il suit une recette, lui il invente, il modifie, il improvise. Moi pas du tout. Hein. Moi je suis surtout les recettes de cuisine. Maintenant le tricot, ça va, je commence à bidouiller un peu. Mais je suis étape, virgule par virgule. Et mon fils est aussi un peu comme ça. Enfin voilà, il y a des gens qui doivent tout suivre à la lettre. Et puis il y en a, ah non, je lis le début ou je lis en grand et puis je fais à ma sauce. C'est vraiment le cas de le dire. Mais voilà, ici c'est juste un petit peu dommage que. Mais sinon, voilà. Alors, j'ai pas parlé de la laine. Ici, du top Baya. C'est de la mérino tencel de Yarneline. Oui, tiens, je ne l'ai pas noté ici. C'est de Yarneline et c'est le coloris Beauport, je pense. Voilà, que j'ai acheté au fil de la Manche. Ouais, j'ai craqué mon slip au fil de la Manche. Mais donc voilà. Typique. Je suis très contente.
Mais vous voyez, quand même, on voit fort. Je suis toujours, surtout que là, je le vois, je suis toujours en train de tiffer. Et là, je vois pas de solution non plus. Je vois pas de solution, à part porter un truc en dessous, mais quand ce sont des tops, un pull d'hiver, c'est pas grave, on met sous pull, voilà, c'est pas. Surtout les pulls en mohair qui piquaient un peu, bah voilà, on met un petit truc en dessous et ça va, mais un top d'été, si on met un top d'été, c'est pour pas mettre deux couches, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va donc clôturer aujourd'hui cet épisode. Et puis je reviendrai la semaine prochaine pour faire le point sur mes encours. J'ai combien? 3 ou 4 encours. Ben, on verra ça la semaine prochaine. Voilà, mais entre-temps, ben, tricotez bien, prenez bien soin de vous. Prenez du temps pour vous. Mais je suppose que si vous tricotez, c'est que vous prenez du temps pour vous. Si je peux faire une petite parenthèse, moi j'ai une collègue qui, elle ne prend pas assez de temps pour elle. Voilà, surtout dans sa vie privée, c'est elle qui fait tout à la maison. Vous allez dire, les mamans célibataires sont logées à la même enseigne. Mais même les mamans célibataires, il faut caser un moment pour vous. Parce que c'est super important. Sinon, bah, les burn-out familiales, ça existe aussi. Il n'y a pas que dans le boulot. Donc voilà, prenez du temps pour vous. Soyez parfois un peu égoïste. C'est super important parce que si vous tombez en burn-out, ben, vous ne pourrez plus aider personne. Donc voilà. Donc voilà, sur cette petite note, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine.